Il y a eu 200 ans d'esclavage amérindien en Nouvelle-France. On nommait ces esclaves les Pawnees. Les femmes et les enfants étaient au service des bourgeois, des religieux et des militaires, et les hommes, n'avaient qu'une chose en tête, s'enfuir. Bonjour. Joe soulève les yeux vers le ciel. Qui sont ces gens? Pourquoi si cruels? Où sont mes enfants? Où est ma femme? Pourquoi le robe noir veut voler mon âme? Certains hommes étaient vendus à Montréal et envoyés dans les Caraïbes pour travailler dans la canne à sucre avec leurs frères noirs, esclaves. Pawnee Joe soulève les yeux vers le ciel. Tellement de gens aux pensées démentielles. Ces chaînes lourdes m'entaillent les pieds. Pourquoi me traiter comme du vieux gibier? Je chantais, oui. Lorsque le grand fleuve qui marche s'élargissait et les hommes humaient l'air salin, plusieurs choisissaient de jeter par-dessus bord la liberté. Pawnee Joe soulève les yeux vers le ciel. Je ne serai pas esclave sur le tutelle. Cette eau salée n'a pas de fond. Oh, Nibi, prends-moi que je m'abandonne. Je saute, ouais.